Mesdames et messieurs, nouvelle news totalement lunaire, le député LFI David Guiraud dans la sauce parce qu'il a fait une référence apparemment anti-mythe. Il a pris des éléments de One Piece et il a essayé de les retranscrire à la vie réelle pour citer la communauté de l'anneau, le peuple élu. Et là, ça a provoqué énorme polémique, c'est la méga sauce pour lui. On va analyser tout ça parce que c'est rigolo. One Piece, antisémite, c'est lunaire. Rick balance le générique. Avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Alors à la base la polémique ça vient de David Guiraud qui a posté une image des dragons célestes de One Piece. Alors moi je regarde pas du tout One Piece, une pièce dans le milieu. On tape One Piece, on va illustrer quand même parce que nous sommes des journalistes. Voilà. Apparemment c'est une faction je pense. Ça va être ça. Voilà c'est eux. Et nous avons un peu de lore pour ceux qui sont débilus comme moi qui ne savent pas. Dans One Piece, les dragons, les immondes dragons célestes sont issus d'un peuple élu et contrôlent le gouvernement mondial. Sur les réseaux sociaux, les dragons célestes désignent le peuple juif afin de tenir les propos antimythes sans risque judiciaire. Donc ça va un peu loin. Ça rappelle quand le maître du logo se dit le grand Orient ou le peuple élu, c'est un peu pareil, sauf que bah, c'est une version un peu plus cocobistanesque quoi. One Piece, les dragons célestes. En publiant une image des dragons célestes, des personnes issues du manga One Piece, l'insoumis a partagé une référence détournée par des cercles antimythes. Réagissant à la plainte déposée par l'Observatoire juif de France pour apologie du thé et provocation de la discrimination à la haine ou à la violence, l'élu du Nord a publié une image des dragons célestes, personnage tiré du manga One Piece. Donc oui, ça constitue une caste extrêmement puissante, ceux qui connaissent... doivent savoir de qui on parle, et jouit de privilèges quasi illimités, quand même c'est fort. Ce langage crypté à double sens suit la technique du dog whistle, siffler à chien en français. En dévoyant une expression ou un symbole, permet de s'adresser à un groupe visé, ici les sphères antimythes, sans alimenter la suspicion de la majorité. Donc évidemment, il s'est retrouvé dans la sauce et il s'est excusé, il a supprimé. Voici son message de réponse. Petit message à ceux qui me suivent, car il paraît que certains utilisent mon tweet pour se lâcher. Laissons la religion en dehors de ça. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race. Si vous le pensez que vous avez mal lu One Piece, c'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Ok. Du coup, les Nousis sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ont fait aux autres, techniquement. Bah oui. Enfin, Godwin. Mais je ne veux heurter personne car je. Et donc je préfère supprimer. Voilà dans la sauce. Oui, à la base c'était un tacle dissimulé, mais il a supprimé. Du coup, maintenant tout le monde va parler de Dragon Céleste. C'est super malin. Contre son camp. Du coup, il postait des images de l'animé, évidemment. One Piece. Je pense pas qu'il ait fait ça par contre comme image. Là, c'est... là on se rapproche de God Given, Dieu donné. Je pense pas qu'il ait fait ce genre d'image. Un ananas dans le four, ça serait bizarre. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est complètement fou. Alors, est-ce que c'est mérité la sauce de ce LFI de poche? Aussi, nous avons vu la vidéo de cette zinzolibar qui dit détester la France, mais qui reste, mais qui veut partir, mais qui reste, en fait. On avait vu que 16 secondes, mais là, quelqu'un a retrouvé la vidéo entière de 2 minutes. Donc, moi, je propose d'analyser entièrement cette vidéo de Kim Jong-un qui relaie bien les faits. D'ailleurs, il est très belliqueux ces dernières années, Kim Jong-un, enfin depuis 2024. Le vrai, hein, pas le parodique. Bref. Les mécréants, mais pourquoi tu restes avec nous? On fait quoi? On parle français avec la langue de Molière ou on lui répond en arabe? Bon, vu qu'elle s'appelle Delphine, à mon avis, elle comprend pas l'arabe, on va lui répondre avec la langue de Molière. Bref, alors pourquoi on reste dans une terre de koufar? Alors déjà, simplement qu'Allah nous facilite pour la hijra, d'accord? À un moment donné, on est né sur cette terre. Mais tu sais pas ce qui se passe dans notre tête, d'accord? Et on est beaucoup à réfléchir comme ça. Attends, reste ici, je vais t'expliquer. Énormément de personnes, ils sont là, ils travaillent en France justement pour pouvoir faire leur hijra, entrer en terre musulmane et qu'Allah nous facilite pour la hijra. Toi, demain, ne serait juste, tu vas en vacances, tu mets tes sous de côté pour partir. Alors quelqu'un qui veut changer de pays définitivement, tu crois qu'il va y aller les mains dans les poches? T'as vu, nous, quand on est né ici, c'est pas nous, bébé, on est venu ici. Non, c'est nos parents qui sont venus ici. T'as vu, moi, je vais parler dans mon cas à moi personnel. T'as vu, moi, je suis né en France, je suis né à Nancy, donc Nancy, c'est à côté de l'Allemagne, et je n'aime pas la France. Je le dis normal. Et pourquoi je l'aime pas? Bah, déjà, avec tout ce qui se passe. Ensuite, c'est pas une terre musulmane. T'as vu, moi, j'aimerais me réveiller et j'entends la Adhan. Et ça, énormément de personnes sont comme ça. Alors, oui, t'as vu, on est là, on travaille pour notre avenir. Comme toi, t'es là, t'as peut-être ton CDI à Franprix pour payer ton loyer, et bah, il y en a justement, ils travaillent pour mettre des sous de côté et partir.
T'as vu, je reste avec vous, mais à contre-cœur, hein. Et le jour où je partirai, après, faudra pas m'attraper. Ah ouais, et aussi, commencez pas à venir faire les touristes chez nous, d'accord? T'as vu, parce que je vais t'expliquer un truc. On est beaucoup à travailler, mettre des sous de côté, justement, pour partir en terre musulmane. Et je le répète encore une fois, qu'Allah nous facilite pour notre hijra. Parce que ici, c'est quand même de plus en plus compliqué de pratiquer sa religion. Soit on est là, on a des moqueries, on a des insultes, on a des injures, il y a des personnes carrément, elles sont agressées, on en parle. Tous les jours, BFM et CNews, ils sont là, ils attrapent notre veste, à un moment donné, ça va 5 minutes. Eh, si vous saviez là-bas en Algérie comment ils rigolent sur la France, eh, ça y est, moi j'ai pas envie d'être associé à ça. Donc pour l'instant, je suis là que ça te plaise ou non, et t'as vu, tu peux contribuer aussi à mon départ en faisant encore des commentaires et je réponds avec des vidéos de plus d'une minute. On fait comme ça, tu m'aides, hein, échange de bons procédés. Alors fais gaffe parce qu'il y a pas mal de gens qui vont lâcher des gros billets, hein. Pire que sur OnlyFans. Non mais sérieusement en fait, du coup, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui n'est peut-être pour vous pas français, hein, parce que faut quand même pas oublier que je suis française, ça y est, vous avez essayé de lui attraper son hijab. Je comprends pas, obligé, il y a quelque chose sur ma tête qui te dérange. Je sais pas, un petit indice, quelque chose qui est noir, qui cache mon cou et qui est sur mon crâne. Bref, en attendant... C'était pas la panthère noire. Non, je suis sur cette terre qui est ma terre autant que ta terre, d'accord? Ça me rappelle une chanson. C'est ma terre où je m'assois. Aïe, 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 aïe. Il y en a évidemment qui sont prêts à payer. Je peux payer pour son billet d'avion. Le jour où je partirai, faudra pas m'attraper. Non, vraiment, ne t'inquiète pas surtout à ce sujet. Elle tiendra pas un mot à Bled. Là-bas au Bled, il n'y a pas de CAF. Une petite cagnotte pour l'aider. T'imagines la cagnotte remigration, ce serait osé quand même. En tout cas, c'est fou. On a la version complète, maintenant on comprend pourquoi. Donc il n'y a pas de hors contexte, non. Elle dit vraiment, j'aime pas la France, et je reste, mais je pars bientôt, TKT. Ok. Et enfin, on va finir par le caca. Le caca, ça fait rire tout le monde. Il est en pleine partie Fortnite, il se rapproche du top 1 avec sa team. Et tout d'un coup, les huîtres moisies de la baie d'Arcachon remontent et où veulent sortir de son anus. Écoutez. Je veux trop ta vie. Il a la diarrhée en plein Battle Royale. Il oublie de mute son micro. Il a démoli les toilettes. Mais du caca. Ah bon, j'ai mal au ventre. Je crois que je vais chier dessus. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir la chiasse au bord du trou. Là. Enfin, non, gros, je reviens. Non, du caca. Vas-y, casse les couilles. Allo? Ouais, quoi? Je sais pas, frère, tombé, si lui. Ah, mais mets-toi, Bico, t'es gênant. Le caca. La vie de ma mère, c'est pas moi. C'est pas toi? C'est lui? La vie de ma mère, c'est pas moi. Je crois qu'il a dit, c'est la vie de ma mère. C'est pas mute, attends. Écoute. Attends, je clique. Attends, je clique. Ah, il dégoûte. Ah. Ah, mais il dégoûte. Attends, non, mais. Mais je crois que c'est pas mieux. Attends. J'aime bien les... Attends. Mais gros, il s'arrache le trou de balle. Mais gros... Ah. Ah. Mais gros, il a mangé quoi ce midi? Attends. Mais il a sa mallette... Il a sa mallette aux toilettes, là? Ah, c'est gore. Ah, ça dégoûte, j'ai envie de vomir. Ah. Ah vas-y, moi, je reste pas avec lui. Ah là, le caca. Le caca, si t'es aide-soignant, non, tu n'es pas choc-barre parce que tu dois t'habiter au caca. Enfin bref, le caca, ça fait toujours rire et ça unit l'humanité. Ça va s'arrêter où, bah, quand il sera vide, malheureusement. Imagine, il est dans l'étale compagnie et il remplit sa combinaison comme ça serait horrible. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires, à plus, ça m'accuse. They will find through the flames, flames die.